Et c'est important, comme je dis tout le temps, donnez-vous un genre. Hi Mego. Alors oui, il faut que je vous parle pendant que je fais mes soins. J'avais vraiment envie de, pour cette vidéo, parler d'un peu un côté un peu développement personnel, un côté un peu plus... je sais pas. Et j'ai l'impression que dans le monde actuel dans lequel on vit, quand tu es une femme qui sait ce qu'elle veut, où elle va, on te donne comme objectif tout un tas d'objectifs très déprimants, peu positifs, peu valorisants. Mais en fait, quand c'est un homme, il a le droit de dire honnêtement, je ne veux pas ce genre de situation, je ne veux pas ce genre d'acte envers moi. Et c'est tout à fait normal. Mais une femme, non. Mais en fait, aujourd'hui, oui, je voulais faire un date with me. Donc je me prépare pour un date. Mais je voulais surtout vous dire que donnez votre temps à des personnes qui le méritent. Donnez votre temps à des personnes qui en valent la peine. Donnez votre temps à des personnes qui vous chérissent. Qui vous font sentir princesse si vous en avez le besoin de le ressentir. Donc cette fois-ci vous êtes dans ma salle de bain, ça change je pense de ma chambre qui est très très décorée déjà de 1 et ça change parce que vous n'avez pas toujours le même décor. Enfin mes tâches elles sont à beaucoup là mais de base c'est pas autant. C'était pas mieux avec les deux lumières, je sais pas. Donc base Milk. Pour venir, si vous me connaissez un peu, vous savez que guérir dès qu'il sort, son corps il brille. Ça veut dire que. Donc là, déjà, je vais me laver. Vous connaissez déjà les gants, tout ce qui est. Moi, j'utilise que des savons pour me laver de la pharmacie. Mais on oublie tout ça. Je mets ma crème, je mets mon musc, tout s'oublie. Je vous ferai une vidéo spéciale hygiène. Routine, tout ça un jour, ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est mes huiles pour briller. Qu'est-ce que je fais pour briller là? Pour qui? Donc, déjà, je mets de la crème. Moi, je mets de la crème à l'urée. Je vais vous parler de ça après. Dans ma crème à l'urée, cette fois-ci, je vais rajouter cette crème qui vient de chez Sephora, qui est une crème de corps illuminatrice. Je vais pas mettre beaucoup parce qu'en fait, les paillettes sont assez roses. Rose holographique, donc faut pas mettre beaucoup parce qu'en fait, quand on est noir, ça va pas très très bien notre peau. Ça fait un peps comme là au niveau de ma poitrine et tout, vous voyez. Mais c'est pas un truc. Je vous mets un petit peu de toute façon, il y en a beaucoup. On a mis beaucoup, hein, quand on n'a pas mis assez. Déjà là, ça commence à être. Je commence déjà à être rose. Donc, bref, oui, ça glow. Voilà, j'attrape la lumière. Voilà, mais dehors de toi, oui, j'attrape la lumière, mais c'est rose. Donc c'est très bien, ça attrape la lumière, mais c'est pas des paillettes. Donc moi, c'est sûr que après ma crème, je mets toujours de l'huile. Je mets celle de l'huile Johnson, qui est de la Baby Oil. C'est pour les bébés. Voilà, j'en ai plusieurs, hein, mais aujourd'hui je mets celle-là. Donc c'est la Tyson Body Oil de In The Glow, Barry M. Et en fait, c'est parfait pour les peaux noires. Vous voyez, c'est foncé. En fait, ça fait comme si on était un peu plus bronzé. Ça te fait une teinte un peu plus... En fait, ça fait comme un bronzer, you know. Ça fait vraiment comme un bronzer. On voit que ça attrape quand même la lumière, mais c'est... Ça reste terne. Je vais pas mettre celle-là, parce que celle-là, elle coûte un petit prix. Je la trouve pas partout. Je l'avais achetée chez Beauté Privée il y a jadis. Donc, je la gaspille pas. Donc, je vais pas la tester, alors que la crème pour corps, là, 200 ml, puis elle est pas ouf. Moi, je peux gaspiller ça autant que vous voulez. Mais celle-là, non. Je vais vous la montrer quand on sera à la partie habillement. Mais... incroyable, il vous faut ça les filles, mettez ça quand vous sortez, ça fait vraiment plus classe. Quand vous avez les pieds, tout ce qui est pieds fait et tout, pensez à mettre de l'huile de cuticule, pensez à vérifier que vos pieds soient prêts à être présentés dehors. Moi actuellement, aujourd'hui ce n'est pas le cas parce qu'il me manque
un orteil fait de sur un pied, mais c'est pas grave parce que je mets des cuissardes. Voilà, je mets des cuissardes. Franchement, aujourd'hui, je vais trop bien m'habiller. Voici mon outfit, ma nouvelle robe mouchino, elle est incroyable. Petit chignon, make-up en flic, un petit trench, des cuissardes, mon nouveau sac Gucci, et voilà. Voilà. Les gars, j'ai mis la première fois mes cuissardes. J'aime pas le bruit que ça fait. J'ai l'impression que le talon il bouge. Genre ça m'énerve. Je sais pas. Après, peut-être c'est le talon sur le sol. Je me suis garée. Hein. C'est la voiture que vous voyez. Voilà. Donc là, je vais marcher. J'ai pris mon téléphone pour filmer parce que vas-y, flemme de la sortir de la caméra. Et voilà. Hein. Et j'ai fait genre, j'ai entendu, il m'a dit, ou pas tant d'un peu, genre, ça se voit sur des chantiers, ça veut dire. Ça se voit sur des chantiers, MDR. Qui appartient donc à la flotte de la compagnie Canorama. Ce soir, pour vous accompagner, on va être galant, on va commencer par les jeunes filles, vos maîtres d'hôtel, Katia et Mouloud. Mouloud vient de le voir pour le podcast. Pascal sera notre chef et le capitaine, il est en haut, il est tout seul dans son bocal, n'hésitez pas à aller le voir, le bocal en l'occurrence. J'avais mis des maquillées et je me suis dit pourquoi pas ramener Dior avec vous parce que je sais que certaines vous êtes totalement amoureuses de lui. J'aime trop les bisous quoi. Maintenant je passe à la partie résumé de la soirée. Donc c'était un bateau mouche qui a été réservé sur un site. J'ai cru voir la carte un moment passé et en fait c'est environ 50€, 59€, 60€ par personne. Putain, c'était ça. Par personne, c'est pas très cher. Malheureusement, on peut pas choisir le plat. Il y a soit ce qu'il te propose, soit le tarien. Ça dure 1h30. On passe devant les plus grands monuments de Paris qui sont accessibles, disons ça, par l'eau, qui sont visibles par l'eau. Il n'y a pas de commentaire face au monument, hein. C'est pas une visite commentée. L'équipage passe par le français et anglais. Voilà, sur la table. Dès que tu arrives, il y a des rillettes au canard, je crois, c'était écrit sans porc, avec du pain, de l'eau, du vin. Mais j'ai demandé de l'eau pétillante. À ce que j'ai vu, ils m'ont pas fait. C'est pas moi qui ai payé, mais ils ont pas fait facturer. Je pense que c'était nous les repas, mais les prix étaient convenables. Parce que l'eau pétillante à 50 ml était à 2,50€ sur la corde. Donc pour moi, je trouve ça convenable. C'était pas ouf. Ni la soirée, ni le date, ni
C'était convenable, tout était convenable en fait. En fait, il y a des relations où c'est tout de suite. Tu sais qu'en mode vas-y, parce que c'est un truc et tout. Il y a des relations où tu es un peu perdu. Et en fait, au fil du temps, tu sauras s'il va se passer un truc ou il va pas se passer un truc. Voilà quoi. Et en fait, là, honnêtement, je pense pas qu'il va se passer un truc parce que. J'ai besoin de punch dans la vie. J'ai besoin d'une personne un peu comme moi. Et je m'en rendais pas compte que je voulais quelqu'un un peu comme moi. Avant. Mais là, ça s'est confirmé. Mon bébou, ça va mon bébou? Ça va mon bébou? Tu es fatigué bébé? Ça va? Il est fatigué, je le laisse aller dormir déjà. Bah. T'es revenu? Bah. Je laisse à peu près ouvert. Je laisse ouvert s'il veut partir, il va partir. Mais je sais pas, il vous avez vu, il baillait en fait. Il était très fatigué. Et puis finalement, il veut pas être tout seul. Je crois. De fruits, donc en fait, ça combat le surplus de mélanine, les taches pigmentaires, les taches de soleil, les taches de grossesse, les taches de rousseur. Et de médicaments, bref, voilà. Mais enfin, c'est pas ça, vous me faire 600 quoi. C'est de la mère morte et ça vient d'Israël. C'est trop bien des trucs qui viennent pas que des mêmes mots. Doigts, Midinjaina. Lui, ça vient d'où ça? London. Je sais plus d'où ça vient. C'est qui le Valois PRU, mais je sais pas si. Ça, je sais pas où c'est été fait. Bon, je vais essayer d'aller. En règle générale, c'était pas très ouf. Mais au moins, ça a le mérite d'être fait, quoi. Et on pourrait dire que. Elle a déjà fait du bateau mouche. Donc, c'est cool. Il fait un peu frais, malgré que j'avais mis une robe pull et une trench, il fait un peu frais quand même. Et là, je nettoie mon visage environ une minute. L'eau de savon, je vais les laisser poser 3 minutes environ. Vous savez, tout ce qui est savon pour des problématiques, c'est mieux de les laisser poser de temps en temps. Enfin, pas de temps en temps, c'est de les laisser poser quelques temps plutôt. Donc voilà, c'est ce que je fais. Le CeraVe, il est tellement agréable. Une vibe. Donc je voulais vous dire que il faut pas se vendre moins cher. Ça veut dire que ayez des standards, ayez des principes, ayez des valeurs. C'est important si vous voulez être traité comme une femme exceptionnelle. Donc tout ce qui est on se date dans un grec, je ne suis pas de ce standard. Viens chez moi, je ne suis pas de ce standard. Tous les trucs foutoirs. Viens, on se pose dans un parc, on a peu 15 ans. Et en fait, quand vous avez des standards comme ça, on peut que, si on est intéressé par vous, vous traiter de façon élevée. Et c'est important, comme je dis tout le temps, donnez-vous un genre. Donnez-vous un genre. Vraiment, dites-en peut-être que je me donne un genre. Et vous allez voir les gens, il y a des choses qu'ils ne feront jamais avec vous en fait. Moi j'ai vraiment changé du tout au tout. Il y a des choses qui étaient bonnes dans mon ancienne relation que je me vois reproduire. Ça veut dire des petites sorties, des petits week-ends. Or Île-de-France c'était mon idée et j'ai vraiment apprécié cela. Et après, il y a des choses que je ne ferai plus jamais. Je ne suis pas venue ici pour citer et mettre de l'huile sur du feu. Absolument pas. Dior ! Absolument pas. Mais j'ai appris à me donner un genre depuis tout ça. J'ai appris à me donner un genre. J'ai une valeur. Je veux ça dans la vie. Je veux aspirer à ça. Et si tu veux faire partie
de mon avis, tu dois correspondre à mes attentes. Et on va plus diminuer pour je ne sais pas qui. En fait, on va plus se diminuer pour je ne sais pas qui. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Nos parents, est-ce que quand notre mère elle accouchait, elle se serait dit que sa fille serait dans des états aussi atroces, aussi dramatiques pour un homme? Non. Votre mère, elle n'a pas signé pour ça, les gens. Vos parents n'ont pas signé pour ça. Donc, à vous, je dis votre mère, mais enfin, vos parents, et je dis fille, mais en fait, ça peut être un garçon aussi. Donne-toi un genre. Conduis-toi comme si t'étais la huitième, la première merveille du monde. Conduis-toi comme si t'étais la première merveille du monde. Si t'es ta merveille à toi, les gens devront s'aligner. Et oui, certains diront que tu te la pètes. Oui, certains diront que oh, elle se prend pour qui. Ce n'est pas grave. Tu peux aller trouver quelqu'un d'autre ailleurs. Voilà, en fait. Et puis, vous allez voir qu'il y a des gens, ils voulaient vous traiter comme de la merde. Tu leur dis que non, avec toi c'est moi. Et vous savez, il y a des gens, ils vous veulent tellement. En fait, il y a des gens, ils vous traitent mal, mais c'est pas de leur faute. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude. Ça veut dire, imagine demain, t'es avec un gars, tu dis non, moi je suis une fille, il faut m'arroser. Je suis une plante, il faut m'arroser. Il faut me faire sortir. Faut me dire que je suis belle. Faut me traiter comme une princesse et tout. Et en fait, au début, il n'était pas comme ça avec vous parce qu'il n'a pas l'habitude. Donc moi je dis pas, je blâme pas les gens qui n'ont pas l'habitude. Si tu leur dis, tu leur exprimes que avec toi c'est comme ça que tu veux être traité, c'est comme ça que tu veux ci, ça, ça. Ils peuvent changer parce que ils te veulent trop en fait. Ça arrive. Et ça c'est tout à leur honneur. Mais si tu dis à quelqu'un, écoute-moi, avec moi c'est pas comme ça. La personne te dit, oh mais tu te prends pour qui? Je me prends pour une fille que tu n'auras jamais. Je me traite comme la fille que je suis. Si tu veux pas me traiter comme je veux être traitée, il y en a d'autres qui voudront. Je suis en train de mettre de la résine sur mes lèvres. Il y en a d'autres qui voudront. T'es pas capable de me traiter comme moi je le souhaite, ce n'est pas grave, je n'ai pas couru derrière toi. Et vous savez, le début d'une relation, le début de tout vous donne le là en fait. La première note de musique souvent détermine un peu la chanson. Tu t'attends pas à un début Mozart pour finir sur du rock. C'est très 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 rare en fait. Donc c'est important. Important. Et les filles, nous, on est un peu trop émotionnels. Vous savez, on est un peu trop émotionnels. C'est un fait. C'est comme ça. C'est Dieu qui nous a créé comme ça. Peut-être qu'il nous a mis beaucoup de cœur. Bon, parce que peut-être c'est notre fille maternelle. Je ne sais pas, les gens. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que... Et la tête froide. Vraiment, moi, j'ai compris ça. Et pourtant, c'est pas une personne où j'approuve tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, où je suis toujours là à la glorifier. Mais c'est Hachette qui m'a déterminé cette façon, qui m'a induit sur le chemin de cette vision de la vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et la tête froide. Ça veut dire, nous les femmes, du coup on est très émotionnel pour avoir la tête froide. Moi je vais pas vous mentir, hein. C'est dans la période du flirt, ayez plusieurs personnes. Ça veut dire Mathieu, Marc, Emmanuel, Clément, Xavier, à partir de là, c'est déjà bien. Donc, parce qu'après sinon tu te perds dans les prénoms, tu ne sais plus comment qui s'appelle. Tu ne connais plus si c'est un tel qu'elle est à l'université de là. C'est compliqué. Donc, un peu mais pas trop, parce que si c'est toute une classe entière, ah mais toi c'est ta soeur qui s'appelle Camille. Non, je n'ai pas de soeur. Ma mère elle a fait que son enfant. Donc je ne vois pas de quoi tu parles. C'est très laid. Donc un peu mais pas trop parce qu'après ça commence à... Voilà. Donc ouais, ayez la tête froide. Comme ça, vous rentrez pas, vous n'êtes pas aveugle. Parce que moi j'ai trop été comme ça. T'es focus sur quelqu'un.
tu vois des red flags, mais comme t'as déjà mis le pied dedans, tu te dis, ah, mais on va dire, on laisse, on va regarder, on regarde, on essaiera. On essaiera quoi? On regarde quoi? Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme ça, vous pourrez liker, vous abonner, partager. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous. Abonnez-vous, comme ça vous verrez de nouvelles vidéos. J'essaye vraiment de faire plus de Get Ready With Me. Donc soutenez-moi. J'essaye vraiment d'être en accord avec vos idées. Donc ça veut dire, si vous voulez une vidéo en particulier, mettez-moi un commentaire. Si vous avez des axes d'amélioration, c'est super important pour moi, mettez un commentaire. Comme ça on s'améliore. En 2023, on ne va plus rester la même version qu'on était en 2022. Ce n'est pas possible. Donc je vais prendre Dior pour qu'il vous dise bye bye. Regardez le choupinet, le chéri de sa maman. Dior fait coucou. Coucou les amis. Coucou les amis. Ça va mon bébé? Ça va mon bébé? Ça va mon bébé? Ça va.